tous envoyés. La plupart même avant que ça commence. Alors l'histoire de Jean et Béatrice, donc c'est Béatrice qui vit seule, enfermée dans une tour, qui n'a pas de vision de l'amour en fait, qui pense avoir la recette. Je ne sais pas si l'amour se compte en volume, en poids ou en unité, je ne sais pas ce que veut dire vouloir le bien d'une entité humanisée, je ne sais pas combien d'amour dans ma vie, je ne peux pas répondre à cette question. Je dois vous émouvoir, d'accord, mais jusqu'à quel point? Jusqu'aux larmes. Combien de larmes? Assez pour mouiller mes joues. Le garçon essaie de sortir du ventre de sa mère, mais elle le retient, elle a peur. Elle pose une affiche en promettant une récompense à cet homme qui pourra l'éveiller à l'amour. Et arrive Jean, qui est chasseur de primes. Je ne sais pas si c'était 14. Je ne sais pas exactement, mais je ne les aimais pas. Jean doit réussir trois épreuves, à savoir que dans un premier temps, il doit l'intéresser, dans un deuxième temps, l'émouvoir, et dans un troisième temps, la séduire. Laisse-moi m'allonger sur toi, Béatrice. Je ne sais pas si je l'aimais. Est-ce qu'on peut aimer une photo? Et c'est à ce moment précis. Réveillez-vous! Un ex-détenu qui vendait des portefeuilles. Bon, je veux commencer! J'ai réussi, je veux quelque chose. Mais... Il n'a jamais été question d'aimer qui que ce soit. Mais vas-y, je te dis! Je te frappe! Je te déteste! Je vais fermer! Complètement! Payez-moi.